pensé, du moins quand j'ai commencé à faire des chansons, à les donner à d'autres. Je suis resté une douzaine d'années à Paris sans avoir aucun contact avec le public. Je n'étais pas préparé à l'idée d'être du jour au lendemain jeté, non pas en pâture parce que j'étais capable de me défendre, mais enfin d'être exhibé. Ce parfait débutant a 31 ans. Il arrive pour lâcher une bombe qui, en 1952, va secouer la France. C'est à travers de larges grilles que les femelles du grand fond contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, l'ornière même un endroit précis, que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Car au gorille, tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage dit, c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son plus cela. Sa première chanson sent le soufre, un grand singe en rut qui viole l'ordre bourgeois. C'en est trop pour les oreilles chastes de l'époque. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu dès le fuseau. Car au pour les braves gens, tout est alors provocation. La chanson, mais aussi le look de Brassens. Le gorille, c'est lui. Pendant trop longtemps, Georges avait crevé de faim. Avec ses premiers cachets, il a mangé comme quatre. Il pèse 108 kilos. Le chansonnier Jacques Grélot livre la réaction du public. Pour décrire Brassens, elle disait à son interlocutrice, « Eh bien, c'est une espèce de romanichel qui n'a aucune éducation. » Et alors, il chantait, mais il ne savait même pas. Et alors, l'autre dame a répondu, et on l'engage encore au casino. Comme quand j'entrais, le public n'avait pas l'air tellement satisfait de voir un bonhomme de mon espèce. Et comme la moitié des gens, à ce moment-là, s'en allaient, gens qui étaient choqués par ce que je disais, j'avais fini par avoir quand même une certaine angoisse en entrant en scène. Car au gorille, le gorille était interdit à la radio, c'était marqué. Or, dans le gorille, il n'y a pas de gros mots. Le gorille est interdit également à la télévision. Brassens ne pourra le chanter que dans les années 70. La suite lui prouva que non, car au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Car au gorille, mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Alors au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Car au gorille, la suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Car au gorille. Il y avait ceux qui venaient voir Brassens parce que, paraît-il, Brassens disait des choses qu'il ne fallait pas dire, qu'il ne faut pas dire, enfin, qui trouvait ça obscène en somme et pornographique et qui aimait ça. Moi, ça me gêne un peu qu'on aime que le gorille. Un bol d'oxygène, c'est ce qu'apporte le gorille à un autre public. Frondeur, rebelle, anti-bourgeois, qui étouffe dans l'ordre moral ambiant. La France bien pensante, respectable, des premières années 50. Il y a des tas de gens qui, en d'autres temps, n'eussent pas aimé mes chansons, et qui m'ont d'abord aimé pour mes gros mots, ce qu'on a appelé mon anarchisme. Et ils ont fini par aimer mes chansons. Beaucoup me l'ont dit. À tout à l'heure. Jacques Canetti est la deuxième fée. Il dirige également un label de Philips, les disques Polydor.
dire d'un jeune chanteur. D'emblée, il a senti que les chansons de l'impasse Florimont étaient un trésor.